Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ces deux pièces de 10 cents France valent plus de 300 euros. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va parler de deux pièces de 10 cents d'euros françaises avec une erreur de flanc. Ainsi, il peut arriver lors des transports entre les différents ateliers de production qu'un flanc se retrouve par mégarde dans le bac prévu pour un autre type de faciale. Généralement, parce que le bac en question n'a pas été vidé correctement. On peut également imaginer qu'il soit resté un ancien flanc dans le système d'approvisionnement de flanc de la presse. Et lors de la remise en route de la machine, avec des nouveaux coins, ce flanc soit frappé avec les autres. On parle alors d'euros fautés, de mauvais flanc. Les deux pièces que je vous présente aujourd'hui sont la pièce de 10 cents euros 2013, frappée sur un flanc de 2 centimes. Cette pièce a un poids de 2,5 grammes et le métal est donc du cuivre. Contrairement à une pièce normale qui, vous le savez, le métal est pour cette pièce de l'or nordique. La deuxième pièce que je vous présente est la pièce de 10 centimes euros 2014 française frappée sur un flanc de 2 centimes qui a un poids de 3,09 grammes et du cuivre comme métal au lieu de l'or nordique. Voilà pourquoi ces deux monnaies valent plus de 300 euros. Elles sont, bien entendu, très rares. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.